Ouverture du score pour Völkl-Mikael Feyerteilen et Romain Zimmermann, qui mène 2-0 contre sa première neuf et Julien Fontaine. Donc cette rencontre sur le terrain. Thank you.
supplémentaire pour Adrien Delay et Didier Caillos qui ont fait le premier break dans cette rencontre 6 à 0 face à Thibaut Escolano. Donc de marquer, voilà qui est fait, mène de 5 points qui leur permet de prendre la tête de la partie. L'équipe de Bassins, c'est tandis que l'Ourti et Abdel Lamazin ont ajouté un point à leur compteur, 6 à 0 pour les joueurs de Bassins. Réussi par Abdel Lamazin pour terminer cette même, on fait les comptes. En tous les cas, Abdel et Ourti Lamazin. Thibaut Escolano et Jérôme Otero pour Andy marquent leurs 4 premiers points dans cette rencontre. De la Caillos. Thank you.
Stars qui franchissent les premiers de la même partie sont 2-1. On discute de ce qui pourrait être le quatrième. En tous les cas, l'équipe d'Antibes, avec Jérôme Botero, 9-8. Tandis que Jean-Baptiste Méda et les points de repos sur Champagne ont inscrit 2 points, Bertrand Barbès et Frédéric Vigne mènent 9-6. Didier Curios, un relais de hauteur de petit tour, à 9 partout, égalisation. De Bassins Bertrand Barabès et Frédéric Vigne qui s'imposent 13-6 face à Jordan de Almeida et Dédé Poiret. Si la victoire de Lefty et Abdel Labaza, vous avez félicité Bassins qui devient champion de France de CNC1 en détrônant les tenants du titre Brousse-sur-Chantraine sans avoir besoin de jouer les triplettes. Bassins et champion de France. En relation.
championne de France en CNC1. Bravo les filles de Haute-Savoie. Un grand bravo. Deux points pour mener 12 à 9. La première fois face à Adrien Delay et Didier Curios, 10 à 9.
12-11 pour Rumi. C'est en tirant que Sylvain Bonnet est arrivé à gagner cette rencontre avec Jordan Guigonis. Du coup, Antibes est toujours vivant et donc a gagné le droit de disputer les deux triplettes face à Rumilly.